Alors les copains, alors on va faire une vidéo avec les figurines de Spider-Man. Donc, alors la première, bien sûr, Spider-Man. Donc celle-là, c'est la basique, celle qu'on trouve partout, en quantité, en masse, enfin, vous pouvez pas la louper. C'est celle-là que vous trouverez en premier. Donc le costume normal. Voilà. Donc bien sûr, je les ouvre pas, hein. Ensuite, nous avons la Iron Spider. C'était dans Civil War, il me semble, oui, que Anthony Stark, alias Iron Man, a fait une armure et l'a donnée à Spider-Man. Mais l'armure, c'est du tissu, mais il y a plein, plein, plein de gadgets et de pouvoir en plus sur cette armure ou costume, on va dire. Mais c'était à la base Iron Man qui lui a fait. Ensuite, nous avons Spider-Man 2099. C'est une série qui a été lancée, donc une série sur 2099 avec plein de super-héros. Et là, c'est Miguel O'Hara. Et il a des griffes, il a du venin, enfin, j'ai pas trop accroché sur cette série-là. Je sais pas, ça m'a pas plu. Déjà, un costume avec une tête de mort, araignée, bof. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est en 2099. Mais bon, ça reste un Spider-Man. Ensuite, hop, hop. Pareil, alors, ça c'est une nouveauté. Donc, c'est Spider-Man en armure. Et l'armure est faite pour aller combattre les Sinistres 6. Donc je ne sais pas quand il va la mettre. Ce sera sûrement dans un futur film, bien sûr. Donc on verra cela. Mais j'ai pas accroché non plus. Je vois pas l'intérêt de rajouter une armure. Spider-Man, ça reste Spider-Man. Ensuite, nous avons Venom. Dans les années 90, ils ont essayé de relancer la série. Et déjà avec Secret War, les guerres secrètes, Spider-Man et d'autres super-héros sont allés sur une autre planète. Sur cette autre planète, Spider-Man a eu un costume, un symbiote, qui était vivant. Et donc c'était un costume noir, il y a eu des aventures avec, et en fait après il s'est avéré que c'était un symbiote extraterrestre qui était méchant, qui est parti de Spider-Man grâce aux quatre fantastiques, et ainsi de suite. Et il s'est mis chez Eddie Brock, et ça a donné Venom, donc un super méchant. Et le problème c'était que le sens d'alarme de Spider-Man ne pouvait pas détecter Venom. Et il y a eu plein d'histoires. Bon, hop, c'était juste pour lancer la machine, hein. C'était pour faire marcher les bandes dessinées. Depuis, Venom est devenu un gentil. Et le gouvernement américain a pris le symbiote et le contrôle. Et ils l'ont donné à Flash Gordon, un ami à Peter Parker, alias l'araignée. Et donc l'agent Venom, c'est pas mal, mais il y a encore des trucs à chercher, à trouver. Il le lance, c'est pas encore ça. Mais hop, ils vont trouver aussi. Mais donc en ce moment, c'est Flash Thompson, pardon, qui est l'agent Venom. Et en ce moment, il est avec les gardiens de la galaxie dans l'espace. De cause de monde. Mais bon, ça reste du Spider-Man. Voilà. Donc ça c'est une partie de mes figurines Spider-Man. Parce que j'en ai une géante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ben je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Et on verra pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!